Alors bonjour tout le monde et bienvenue au groupe d'entraide sur les phobies. Je vais commencer par vous avouer que j'ai moi-même une phobie. J'ai très peur du mot qui s'appelle H-A-A-A, point d'exclamation. Ce mot-là. Alors toi, peux-tu te présenter et nous dire quelle est ta phobie? Je m'appelle Réal et j'ai la phobie des excuses. Pardon? T'as peur des excuses? Oui. Oh, je suis vraiment désolé. Dans... Ok, t'as peur de tous les genres d'excuses? Oui. Ok, on va essayer d'éviter ça le plus possible. Merci. Ok. Alors toi, peux-tu te présenter et nous dire quel est ton problème? Oui. Je m'appelle Catherine et j'ai peur des répétitions. T'as peur des répétitions? Oh. Je suis passé proche en maudit, là, faut faire attention. Je suis vraiment désolé. Ok, merci. Alors, et toi? Moi, je m'appelle Edith et j'ai peur des silences inconfortables. Il doit être de quelle durée, le silence inconfortable? Il était proche en sacrifice, celui-là. Ok, on va essayer de toujours garder la conversation active. Ok? Je suis en retard, je m'excuse. Alors, laisse-moi te présenter tout le monde. Catherine ici a peur des répétitions. Ah, t'as peur des... Désolé. Et toi, c'est quoi ton problème exactement? Les phobies des autres me font japper. Ok, je pense que la meilleure solution, c'est de s'occuper de chacun de vous individuellement, ok? Pour récapituler, moi, je m'appelle Emmanuel, j'ai très peur du mot qui s'appelle H-A-A-A, point d'exclamation. Ce mot-là. Edith, ici, a peur des silences inconfortables. Fait qu'on va toujours essayer de garder la conversation active. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a de ça avant que t'arrives! Ah, désolé. Ok, on va essayer d'activer un petit peu, ok, d'y aller un peu plus rondement. Réal ici a peur des excuses. Ah, je suis jamais... Ok, alors, Réal, peux-tu nous dire comment tout ça a commencé? Ça a commencé la première fois où j'ai essayé les bas-culottes de ma grand-mère.